Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation qui est quasi improvisée. En fait, c'est Karel Bélanger qui a eu l'idée de regrouper quatre disjonctés ensemble. Moi, je pense que cette journée-là, j'étais sur la route. J'ai dit oui à l'idée, j'ai repris la route, puis quand je suis revenue, il y avait 52 messages dans Messenger. Toute la structure du webinaire était déjà prête de la formation. Et voilà, on est là aujourd'hui avec vous. Donc, c'est tout à fait à notre image, c'est pas trop préparé, c'est spontané. Comme c'était Noël, on a décidé d'avoir une thématique, évidemment, et vous voyez qu'on est très, très sérieuse. Mais je vous invite quand même à pas tout de suite arrêter la vidéo parce qu'il y a vraiment du contenu pertinent qu'on va vous partager. Donc, comment ça va se passer? C'est vraiment très, très simple. Premièrement, Karel va vous parler de l'élément clé pour générer des revenus sur Facebook et dans sa business en général. Ensuite, Alessia Vonneau va parler de la bonne façon de s'adresser aux gens sur Facebook pour qu'ils comprennent ce que vous avez à dire. Parce que si le message ne passe pas, on ne peut pas faire de vente après. Delphine, ensuite, va nous parler des peurs liées à la visibilité. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait d'avoir peur de mettre sa photo ou de faire un Facebook Live? Je sais qu'il n'y a personne parmi vous qui a peur d'être visible, qu'on est les quatre seuls à qui c'est arrivé dans la vie, mais on va quand même vous partager l'information là-dessus. Et moi, finalement, je vais vous partager la technique que j'utilise pour rassembler à votre clientèle idéale sur Facebook et créer une super belle relation avec eux pour augmenter vos revenus, évidemment, en 2017. Donc, c'est sur la thématique de Facebook qu'on a décidé de regrouper nos quatre expertises aujourd'hui. Et voilà, donc que vous soyez prêts ou non, on démarre parce que c'est pas en direct, donc c'est nous qui avons le contrôle de la caméra. Alors, je passe la parole tout de suite à Karel Bélanger qui va vous donner de l'information sur comment générer des revenus sur Facebook de la bonne façon. Salut tout le monde! En fait, je ne sais pas trop quoi dire, justement, on ne s'est pas préparé. Non, c'est une blague. vous voyez mon beau chapeau de Noël, hein? Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, écoutez, moi et l'hiver, on oublie ça, ça ne va pas ensemble. Alors, j'essaie de me créer de la chaleur au grand moins 25 ce matin ici dans la région de Montréal. Je vais me présenter un petit peu vite pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis un être humain, tout d'abord, qui aime la vie, qui en profite pleinement. Je vis en étant qui je suis à chaque jour. Je suis une maman de trois grands-enfants. Également, ce que je fais dans la vie, bien, je suis la fondatrice du « Je suis moi », en anglais « I am me ». Je coach pour l'acceptation de soi, conférencière, également auteur. Et en 2000 et 2015, je me suis spécialisée au niveau des réseaux sociaux. Et maintenant, je m'aligne plus à amener l'humain là, à être eux-mêmes, lui-même jour après jour. Alors, c'est un peu pourquoi que je vais parler ce matin au niveau de Facebook et des autres réseaux sociaux aussi. Hein. Et votre entreprise aussi. Ça, disons que tous les trucs qui vont se dire s'appliquent partout. Et le premier, bien, garder sa couleur, garder sa propre couleur et son style. Si on commence par Facebook, bien la photo. Ça me fait toujours rire. On va voir des photos. Mais en fait, on ne sait pas d'avance. Là. On voit des photos, on pense que c'est la personne. Moi, je suis à Montréal, j'arrive à Montréal, puis oh, Karel de Facebook! Bon, on me surnomme comme ça. Et là, je reconnais pas. Je regarde la personne les grands yeux. Voyons, c'est qui? C'est qui? Puis là, me dit son nom, puis je vais tomber à terre. C'est tellement pas la même personne que sur sa photo de Facebook. Alors, c'est tellement important de mettez-les à jour. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Alors, moi, je parle beaucoup d'être soi-même tout le temps. Mais c'est correct. J'ai des cheveux blancs, on les voit pas, là, mais je vais changer ma photo bientôt. Vous allez les voir sur ma photo. Également, c'est la même chose au niveau de l'habillement. Au niveau de la photo, souvent, on va dire « Ah, ben, t'es en affaires, mets-toi en tailleur ou en habit, blablabla. » Puis, écoutez, c'est sûr que je suis pas quelqu'un vraiment là qui va aimer les robes et tout ça. Là. Si j'en mets une, les gens vont faire « wow », c'est à peu près tout. L'inconscient parle plus fort. Alors, soyez
mettez quelque chose sur votre photo, comme vous regardez, je mets ça, je me sens bien comme ça. C'est la même chose aussi si vous allez dans un réseautage d'affaires. C'est exactement la même chose. Moi, je regarde ma garde-robe, qu'est-ce que je veux mettre aujourd'hui, c'est ça, je mets. Des fois, je suis en jeans, des fois, je suis un petit peu plus... un tailleur, oui, ça va m'arriver, mais ça va. Comment je file? Parce que les gens vont coller avec qui vous êtes, ils vont leur sentir ça. Et souvent, il y a des personnes qui vont me dire, oui, oui, mais Karel, en affaires, il faut s'habiller un peu plus propre. Oh là là, écoutez, avec qui vous voulez faire affaire? Moi, c'est ma question. Avec des gens qui vont vous juger par votre habillement ou bien donc ceux qui vont aller avec vous par qui vous êtes? Par vos qualités, par la qualité de vos produits ou services. Ça, c'est à vous. Alors, c'est à vous de décider, c'est sûr. Tout est perception. Et la deuxième astuce, bien, dans les publications, est-ce qu'on met le « tu » Est-ce qu'on met le « vous » Ou est-ce qu'on met... y a-t-il d'autres choses? Oh, oui, il y a le « je », le « nous », le « vous ». On va toutes les faire ce matin. Mais en fait, si tu veux mettre le « tu », mais le tu, c'est correct. Si tu veux mettre le vous, mais le vous, des gens vont être plus spirituels, vont dire, oh, je peux pas publier des choses spirituelles, ça fonctionnera pas. Non, c'est pas vrai. Tu vas attirer les gens pour toi. Moi, je vais mettre de plus en plus le tu parce que j'aime ça. Je connecte de âme à âme avec les gens. Des fois, je vais mettre le vous quand je veux parler à plusieurs personnes, mais j'aime encore mieux le tu. Mais ça, c'est moi. Il faut se sentir à l'aise avec ce qu'on fait. C'est ça qui est vraiment l'important. Puis, on attire les gens pour nous autres, c'est sûr. S'il y a des gens qui vont être offusqués, c'est sûr que je mette le dessus. Bien, ils ne me suivront plus. C'est tout. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple, les réseaux sociaux. C'est pas compliqué. Notre entreprise, c'est pas compliqué non plus. Au niveau des publications, bien, il y a la règle de base, hein, Facebook, on crée une page pro parce qu'ils ne veulent pas qu'on mette trop de trucs de notre entreprise sur la page personnelle. Bon, j'avoue que j'en mets pareil sur ma page personnelle, on ne parlera pas fort. De toute façon, personne ne nous regarde présentement. On n'est pas live, c'est génial, hein? Mais je vais utiliser le Facebook personnel pour que les gens me connaissent. Les gens vont acheter qui tu es en premier, avant tes produits et tes services. Fait que oui, sur le Facebook personnel, je vais parler de ma famille, de mon couple, de moi. Peut-être pas dans tous les détails quand même. Il y a une petite gêne à se garder, c'est sûr. Mais les gens aiment ça, puis ils apprennent à me connaître, puis c'est pour ça qu'ils me suivent. Des fois, je pense qu'ils n'ont même pas trouvé ma page professionnelle encore, mais c'est pas grave. Ils fouillent. Ils vont trouver mon site web. Ils vont me demander « qu'est-ce que tu fais? » C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment simple. Fait que n'ayez pas peur de le faire. Et une autre astuce vient rester authentique et vrai. Dites les vraies choses. Vous faites des publications. Gardez votre côté humain. Inventez pas de chiffres. J'en vois toutes les couleurs. Je vais voir des gens, parce que je connais beaucoup de gens qui vont dire « Bien, je vais vous apprendre comment être libre financièrement. » Mais ils ne sont pas, ils ont de la difficulté à arriver dans la vie. Ça, c'est parce que c'est des gens qui copient sur les autres et qui pensent qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Il y a eu la vague que tout le monde voulait être spécialiste des réseaux sociaux. Il n'y avait pas rien appliqué encore dans leurs choses, mais ils copiaient. Il faut l'appliquer. Il ne faut pas inventer absolument rien. Tu débutes, c'est correct, dis-le. Tu fais une erreur, c'est correct, dis-le. Et ça s'applique à tous les réseaux sociaux, c'est sûr. Et ton entreprise, en fait, ben, je bifurque peut-être un peu des réseaux sociaux, mais elle devrait partir de choses que tu as utilisées. Hein. C'est un service. Exemple, moi, je vais enseigner les gens comment... vivre en étant eux-mêmes jour après jour. Mais les exercices que je propose, je les appliquais à moi. Oui, j'en ai essayé d'un bord et de l'autre, mais ils fonctionnent sur moi. Alors, c'est ça que je transmets. C'est ça que je transmets sur les réseaux sociaux ou dans d'autres formations. Si ce serait un produit, ben, je l'aurais essayé moi-même avant. Parce que tout va partir du cœur. Et c'est quand ça part du cœur que ça tombe dans les poches. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi clair que ça. Et c'est ça qui doit transparaître. Alors, ça, c'est mes astuces que j'ai passées peut-être vite, mais ce qui est à retenir, reste toi-même.
garde ta couleur, essaie pas de chercher, faut-tu que je pense à telle heure, écoute, sont tes clients, à qui tu veux parler, vérifie ça, fais des tests, puis on, dans le fond, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des apprentissages, puis on continue, puis tu vas vraiment aller trouver ta voix, ta façon d'être, et c'est ça que les gens vont suivre, beaucoup plus que toutes les théories qui existent. Puis j'ai le goût de donner une petite... un petit exercice pour tous les entrepreneurs qui écoutent là, de te renforcer là, dans ce que dans tes qualités puis pour avancer encore plus avec le je suis moi, c'est sûr. Là. Mais c'est quoi tes qualités d'entrepreneur? Puis regarde-toi dans le miroir le matin, là, puis je vais te donner les exemples. Tu regardes, tu dis je suis moi, je suis déterminé, je suis moi, je suis succès. Je suis moi, je suis wow. Mets des qualités qui te vont en tant qu'entrepreneur. Et ça va être génial et tu vas voir cette assurance-là, ça va rester en toi et fais-le jour après jour. Tu vas voir des transformations. Alors ça, c'était pour mes astuces d'être soi-même. Si vous voulez voir un peu plus ce que je fais, bien, c'est je-suis-moi.solution avec un S. N'oubliez pas le S, la solution. Et maintenant, je vais passer la parole à Alicia. Le son, Alicia. Oui. Bonjour. Je viens de vous illustrer un des points en avance, un des points que je vais vous illustrer dans mon discours. C'était l'imperfection. Mais on en parle tout à l'heure. Donc, j'avais commencé à parler, mais mon micro, j'avais laissé mon micro désactivé. Donc, j'ai commencé par être imparfaite. Maintenant, ça va mieux. Voilà, je me sens à l'aise. Je suis plus moi. Donc, merci, Karel, de m'avoir passé la parole. Et aujourd'hui, je vais vous faire part de comment parler clairement aux gens sur Facebook pour qu'ils aient envie ensuite de devenir vos clients. Donc déjà, Karel nous a donné une bonne dose de base et plus. Mais moi, en fait, je me rappelle à mes débuts sur Facebook. À mes débuts, j'étais complètement... j'avais dans la tête que j'étais chef d'entreprise, même une toute petite entreprise, mais chef d'entreprise. Il fallait que j'ouvre vite Facebook, que je donne un lien de mon site web, que j'annonce des promos, et puis je fais mes Facebook, et puis voilà. Donc, pour tout vous dire, j'ai pas eu beaucoup de succès au début. Non, c'était plutôt l'ambiance, elle était plutôt fraîche. Et donc, finalement, bah, j'ai appris, je suis allée regarder comment elle faisait les autres. Je disais oui, mais bon, ça me semble un peu forcé tout ça. Mais alors, je me suis rappelé d'un truc. Je me suis dit, mais finalement, Facebook, parce qu'il y a presque toutes les personnes qui ont accès à Internet, ils sont presque tous sur Facebook. Donc, finalement, et si c'était pas comme dans la vie réelle? Alors, je suis allée regarder, parce que moi, j'aime bien garder des recettes comme ça, dans mes livres de recettes. Je suis allée regarder c'est quoi ma recette pour parler aux gens, pour parler de mon entreprise, pour leur donner envie d'acheter les services. Donc, je reprends la recette, hein, parce que je ne vais pas vous mentir. Hein. Donc, dans ma recette, j'ai quoi? Bah, déjà, je vous ai fait une petite surprise, parce que j'aime bien mettre en scène des choses. J'ai amené une casserole. Voilà, véridique. Donc, avec la caméra, je ne vais pas arriver à tout vous montrer, mais la casserole est là. Et qu'est-ce qu'on va y mettre? Dans les ingrédients, je vois qu'il y a 10 grammes de clarté. Alors, voilà, je prends la clarté, ok? Et je vais vous en mettre 10 grammes. Bon, à la bouche, hein? Non, pas assez clair hein, quand même. Allez, ouais, ça devrait suffire. Donc, 10 grammes de clarté. Ensuite, mais qu'est-ce que ça veut dire clarté? Parce que tout le monde parle de clarté dernièrement. Moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment de près parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, et peut-être maintenant, hein, des fois, je ne suis pas claire.
Des fois, je parle juste pour parler et je suis pas claire. Et on dirait que j'ai un brouillard qui passe devant moi. Voilà. Et j'essaie de faire wouhou, mais voilà. Des fois, c'est pas clair. Alors, pourquoi on n'est pas clair quand on parle d'affaires de notre business? Parce que c'est notre bébé. Notre business, c'est notre bébé. Surtout pour les solo entrepreneurs. C'est notre bébé, c'est le plus beau. Je ne sais pas si vous êtes maman, mais c'est vrai que quand moi je suis maman, quand je parle de mon fils, surtout quand il était petit, j'aimais bien dire oui, il a mangé un biberon, il a bu 50 centilitres du biberon, etc. Après, j'ai eu du mal à l'endormir. Et puis, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a regardé, il m'a suivi du regard. Voilà. Mais en fait, ça donnait pas trop envie de continuer à causer avec moi. C'est un truc, voilà. C'est les bébés, ils font ça, quoi. Donc, par contre, donc quand on parle de notre entreprise, c'est notre bébé, et on a tendance justement à parler jargon. Donc à parler, en fait, on a tendance à se dire, oui, je vais donner tous les termes techniques. Et les termes techniques, en fait, c'est les termes qui nous rassurent. C'est notre doudou, en fait, finalement. Donc, ce qu'on va faire, on va donner le doudou à notre enfant et nous, on va grandir un petit peu. Et ce qu'on va faire, on va justement, là, on a mis de la clarté. Et donc, on va parler clairement et on va parler pas sur soi, mais on va parler en se mettant dans la peau des gens auxquels on parle. Et pourquoi ça va être facile? Ça va être finalement facile parce que dans tout business qui réussit, c'est qu'au début, nous, on était comme ça. Nous, on a eu une douleur et on a finalement trouvé une solution. Donc, on a été résilient. Donc, nous, si on se remémore, on sait en parler de ce qu'on solutionne chez les autres. Et puis, bon, on a acquis des compétences, de l'expérience, etc. Et maintenant, on sait le transmettre. Donc, il faut juste revenir un petit peu en arrière et s'en rappeler. Et il faut connecter avec les gens. Ensuite, j'ai deuxième ingrédient. Regardez, dans ma recette, j'ai un sachet de poudre d'essentiel. OK? Et j'aime bien le langage des oiseaux, en fait, essentiel. En fait, l'essence du ciel. Le ciel, il est pur. Allons à la pureté et à l'essentiel. Alors, on va mettre l'essentiel. Voilà. Et regardez, ma poudre est même colorée. L'essentiel, c'est beau, en fait. C'est pas que l'essentiel est pas... Il faut pas... On n'a pas besoin d'ajouter des chichis pour que l'essentiel soit pas beau. Regardez. C'est une poudre rose. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger un petit peu. Allez, on va mélanger un petit peu. Alors, l'essentiel avec la clarté. Ah, ça sent bon, en plus. Donc, l'essentiel, en fait, allez à l'essentiel parce que l'essentiel, il va sublimer votre clarté. Vous rappelez de la copine en classe qui parlait jamais, mais à chaque fois qu'elle parlait, tout le monde se taisait et l'écoutait elle. Alors que vous, vous parliez tout le temps et finalement, on finissait par plus vous entendre. Ben, sur Facebook, c'est aussi un peu pareil. Soyez percutant, allez à l'essentiel, parlez peu, mais parlez bien. Donc, on dit en français, parlons peu, mais parlons bien. Et donc, en fait, parler avec clarté. Donc, pas de jargon, pas de technique. On a également un troisième ingrédient. Et mon troisième ingrédient, c'est l'ingrédient, je pense, que je préfère. C'est l'imperfection. Imperfection. Alors, on va ajouter, là, ils disent 3 cuillères à café d'imperfection. Voilà, 1, 2, 3. Et comme l'imperfection, c'est pas parfait, je vais mettre 4. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette imperfection? L'imperfection, c'est quelque chose que je connais vraiment bien.
parce que plus je vais bien faire et plus je me vautre. Voilà. Et l'imperfection, en fait, des fois les gens, même pour ça, en fait, c'est un peu maladroit. Voilà. Et l'imperfection, elle sert à quoi? L'imperfection, elle sert à connecter avec les autres. Parce que moi, j'ai pas envie de, justement, je suis imparfaite. J'ai pas envie de suivre quelqu'un qui est parfait. Parce que je vais pas me reconnaître. Et pour adhérer à son message et pour dire, oui, je vais être comme toi. Moi, je vais pas être plus parfaite. Mon perfection me suffit. Et puis, de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Et dans la perfection, finalement, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose d'authentique. Et donc, moi, je vais plutôt aller suivre des gens qui vont se vautrer un petit peu de temps en temps ou, je sais pas, même faire des photos d'orthographe. C'est pas ça l'essentiel du message. Et moi, je peux me reconnaître et parce que je sais que moi, je suis imparfaite. Donc, si je m'autorise à être imparfaite, j'autorise les autres qui sont imparfaits comme moi à venir vers moi. Soyez imparfaitement imparfait. Ou parfaitement imparfait. justement, j'arrive au dernier ingrédient. C'est un ingrédient que j'aime bien aussi. C'est un petit peu... c'est savoureux. C'est l'humour. Je ne sais pas si on lit à l'endroit ou à l'envers, mais ce n'est pas grave, je suis imparfaite. Je m'en fous, moi. Donc, on va mettre de l'humour à volonté. Waouh! Ouais! Beaucoup d'humour! Ah, oh, mon Dieu, c'est sublime! Mais pourquoi l'humour? Ben, vous savez, par exemple, les youtubeurs, ceux qui se font des couilles en or, voilà, ils s'en mettent plein les poches, ben, ils ont de l'humour. Et ben, pourquoi nous, on n'aurait pas d'humour? On a de l'humour tous les jours. Ben, j'espère pour vous qui nous regardez, vous avez de l'humour. Sinon, peut-être que vous avez déjà fermé la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? On vous accepte quand même. Hein? Donc l'humour, c'est essentiel. Parce que l'humour, c'est ce qui nous rend justement humains. Et ensuite, je ne sais pas si vous savez, et je ne sais pas si on dit ça au Québec, en français, on dit « femme qui rit à moitié dans son lit ». Et moi, j'ai l'habitude de dire « prospect qui rit », donc « client potentiel qui rit », ben, je vous laisse finir, hein? Je ne vais pas le mettre dans mon lit, mais bon, peut-être qu'on va faire affaire ensemble. Qu'en pensez-vous? Voilà, et puis c'est tellement bon de rire. Vous savez que quand on rit, on active tout plein de muscles, déjà dans le visage, mais aussi c'est bon. Il y a même le yoga du rire, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, le muscle cardiaque et tout et tout. Voilà, donc je vous présente, je me la montre quand même. J'arrive à vous montrer, voilà, ma recette. Voilà, comme ça, et je vais donner ça aux personnes. Je vais donner ça aux personnes qui veulent apprendre à parler clairement et d'une façon efficace sur Facebook pour attirer à elles les clients qui sont faits pour elles. Je vous remercie et puis je passe la parole à Delphine Debove. Merci Alessia. Avant de commencer, j'espère que tu ne vas pas m'inviter à manger chez toi parce que voilà quoi, tu vois. Non mais génial, génial. Franchement, j'ai adoré ta présentation et j'ai mal, je rigole depuis le début donc du coup je commence à avoir des crampes dans les joues en fait. Donc ben voilà, je suis ravie d'être avec vous. Moi c'est Delphine. Je viens tout juste de lancer une nouvelle activité. Donc moi j'étais connue sous Madame Newsletter, donc une experte email marketing, et là je viens de démarrer en fait entrepreneur spirituel au féminin au pluriel. Et en gros ma spécialité c'est donc de péter des nœuds, des peurs, des blocages chez les femmes entrepreneurs.
et avec bien entendu un aspect spirituel de la chose. J'ai vraiment du mal à parler sérieusement en vous voyant avec tout ça. Soit, ça va le faire. Je vais essayer de me concentrer. Et donc, moi, j'aimerais parler ben justement de toutes ces peurs qu'on a notamment concernant la visibilité sur Facebook, parce que j'ai remarqué que certains entrepreneurs, ça allait jusqu'au point de ne pas mettre de photos de profil sur leur page ou même leur profil perso, etc. Et comme Karel le disait vraiment très, très justement tout à l'heure, les gens achètent d'abord pour qui on est, avant même de savoir ce qu'on a à leur proposer, que ce soit un produit, un service, peu importe la presta. Et donc, ben forcément, si déjà on se cache, ça ne va pas le faire, quoi. Ça va, donc oui, déjà la photo, le Facebook Live, parce que c'est un truc qui fonctionne super bien, ça va vite, c'est rapide, c'est du live, donc il y a cette sensation d'interactivité, de rapprochement, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le marketing veut qu'on utilise cet outil sur Facebook. Seulement voilà, ben, si on n'ose déjà pas mettre sa photo, ben, le Facebook Live, excusez-moi, le Facebook Live, c'est waouh, panique à bord. Et moi, je voulais vraiment gratter avec vous ce qui se cache derrière ces peurs, qui sont parfois des peurs paniques. On sent vraiment le truc qui vient bien serrer là dans le ventre, ou cette espèce de pointe qui remonte dans le sternum qu'on a tous connu. Bon, peut-être pas toutes avec le Facebook Live, mais en tout cas, la peur, on connaît. C'est une sensation très physique. Et je vais parler de manière générale les cas les plus classiques, parce qu'évidemment, chaque personne a son vécu, ses nuances. Donc, je n'aime pas en général faire des généralités, c'est le cas de le dire, mais mais on va dire que dans l'ensemble, les premières choses, quand on demande aux personnes pourquoi tu ne fais pas, etc., la première chose qui vient souvent, si je prends l'exemple du Facebook Live, c'est les problèmes techniques. Genre, on n'a pas l'appareil téléphone qu'il faut, on n'a pas le temps, ou on n'a pas le temps de se maquiller le matin, enfin, ou des choses comme ça. Enfin, il y a toujours, une tonne d'excuses. Désolé, mais oui, ce sont des excuses, parce que bien souvent, tout ça, en fait, ça cache autre chose. Il faut aller un petit peu plus loin que ça et aller voir ce qui se cache derrière ces soi-disant problèmes techniques et mauvais maquillage, ou peu importe. Donc, je voudrais déjà qu'avant tout, on dédramatise la chose. D'ailleurs, je me souviens, dans une vidéo, Stéphanie avait dit que déjà, les gars, ce n'est pas 1 million de personnes qui vous voient et qui voient votre photo, qui voient votre Facebook Live. Hein. Donc, on dédramatise, quoi. Ce n'est pas toute la planète entière qui, demain, va voir votre tête parce que vous avez décidé d'enfin la mettre, quoi. Et après ça, une fois qu'on y va, en fait, et qu'on va vraiment dans cette émotion de peur et qu'on la laisse prendre la place plutôt que essayer de la rejeter, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui me fait peur réellement? Et quand on creuse, bien souvent, on se rend compte que ce dont on a peur, c'est la vraie question, le vrai problème, c'est est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Est-ce que, une fois qu'ils vont me voir comme ça en vrai, machin et tout, est-ce qu'ils vont me trouver bien? Est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Et là, ce sont plutôt des peurs, en fait, de rejet, d'abandon, de manquer, de l'échec, de nouveau en fonction de la personne, de son vécu, de sa personnalité, de ses expériences de vie, ben, ça va être telle ou telle palette, mais c'est souvent des peurs bien plus profondes qui se cachent derrière. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller mettre le doigt dessus, parce que c'est pas en se forçant d'oser tout simplement que le problème va disparaître, parce que quand c'est justement des choses profondes comme ça, c'est pas en un coup de baguette magique que ça part. Il faut vraiment aller mettre le doigt dessus. Alors, le plus classique, c'est est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Ça, c'est vraiment le plus gros, celui qui revient souvent. Alors, petit spoiler, ils ne vous aiment pas. Parce que... Désolée. Parce qu'en fait, justement, ils ne vous connaissent pas. On ne sait pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est... Voilà. Donc, en fait, quand vous projetez cette peur, est-ce qu'ils vont m'aimer, vous avez peur d'un truc qui n'existe même pas, en gros. Donc, vous créez une peur sur un futur, mais le futur, il ne s'est pas encore produit, l'événement ne s'est pas encore passé. Donc, en gros, on a peur d'un truc qui ne s'est pas passé.
Donc déjà, il y a un côté, faut relativiser, faut réaliser ça. Et plus vous allez vous cacher, forcément, plus vous allez laisser indifférents les gens. Ils vont rien ressentir pour vous. Ça va être le vide total, quoi. Et il vaut mieux qu'ils ressentent quelque chose. Comme le disait très bien Karel, de toute façon, la loi d'attraction, ça fonctionne très, 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 très bien. Donc, ceux qui ne vont pas raisonner avec qui vous êtes, avec qui vous montrez que vous êtes, ben forcément, ils ne vont pas être attirés vers vous. Donc, ils vont vous ignorer. Et c'est très, très bien comme ça. Vous ne voulez pas que tout le monde vous aime. Imaginez, vous rentrez dans un bar. Tout le monde, ouais, elle est bien, elle est trop belle, je la veux, machin. Mais c'est invivable, c'est insupportable, quoi. Donc, c'est très bien qu'il y ait plein de gens qui ne nous aiment pas, en fait. C'est très, très bien. On veut juste les bons. Donc, ça, c'est important aussi. Et alors, une prise de conscience que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, justement dans cette quête d'amour, de reconnaissance chez l'autre, pour moi, à mes yeux, il y a un gros problème quand on fait ça. Ça veut dire que on a placé sa valeur, donc ce qu'on vaut, ce qu'on pense que l'on vaut, dans le regard des autres. Et ça, c'est énorme. Parce que ce n'est pas l'amour des autres, le regard des autres, qui est un thermomètre de ce que vous valez. Ça, c'est une information, mais énorme, à vraiment enregistrer, imprimer en vous. Vous êtes qui vous êtes, point. Votre valeur, elle est en vous, que ce soit une valeur humaine, professionnelle, vous avez fait des formations, vous avez fait de longues études, peu importe. Tout ça, c'est des choses que vous avez fait vous, sur vous, avec vous-même, pas avec les autres. Et donc, aller placer ce qu'on vaut chez les autres, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, laissez-les vous regarder comme ils ont envie de vous regarder, avec leur propre histoire, leur propre vécu, leurs expériences, leur moment de vie, mais ne laissez pas ceci vous toucher. Vous êtes venu sur Terre avec la joie, l'amour dans votre cœur, et vous êtes toujours ça, cette personne. En vieillissant, vous avez mis des couches et des couches et des couches à force d'expérience, à force de bave dans la gueule, plomb un chat, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, du coup, voilà, on a l'impression, on s'est détaché de soi, de son être profond, de l'enfant intérieur, on s'est détaché de soi, et du coup, on se sent comme une petite personne, et avec toutes les autres petites personnes autour de nous, et qui ont énormément d'importance, et que c'est ces personnes-là qui vont nous mettre là, ou là, ou là, ou là, ou là. Eh ben non, vous êtes qui vous êtes née comme ça, vous vous êtes construite toute seule, sans les autres, avec la bienveillance ou pas des autres, mais ça ne vous empêchera jamais de continuer. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui. Ne placez pas votre valeur dans le regard ou l'amour des gens. Voilà, voilà. Je vais maintenant passer la parole à Stéphanie. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Waouh, ben, je vais essayer de ne pas dire du coup trop. On a passé la période Europe, là on revient au Québec. Non, mine de rien, on a une vidéo quand même assez internationale aujourd'hui, hein, je tiens à le souligner. Karel et moi, on est au Québec. Delphine, t'es où en ce moment sur la planète? En ce moment, en Belgique. Plus en Belgique. Longtemps, mais... ouais, c'est ça. Après, tu t'en vas ailleurs de plus chaud et exotique. Et Alessia, tu es à quel endroit? Je suis en France, à Lyon. En France. Alors voilà, c'est pour le petit tour du monde. Alors... moi, je vais reprendre pour la suite. En fait, c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter. C'est quelque chose qui se connecte tous ensemble, les sujets dont on parle aujourd'hui. Moi, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on ose être nous-mêmes, une fois que notre message est clair et qu'on a surmonté ses peurs tout doucement de se rendre plus visible. Hein. C'est important de ne pas le faire de manière... à se torturer non plus, c'est de le faire par étapes. C'est super agréable quand on se donne le droit de le faire parce que ça donne des très bons résultats et ça renforcit le fait que c'est pas dangereux de le faire, je crois, quand on le fait graduellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que tout ça est prêt? Moi, la technique que j'utilise le plus en ce moment, c'est de créer une communauté privée sur Facebook. Vous avez tous votre profil personnel.
Vous avez probablement tous une page professionnelle aussi, parce que, comme Karel le mentionnait brièvement tantôt, c'est notre profil personnel. Souvent, on va parler un peu de notre entreprise, mais on va y aller beaucoup sous un angle plus privé où on va partager des portions de notre vie privée sans nécessairement tout déballer. On n'est pas obligé de donner tous les détails croustillants. On choisit ce qu'on veut partager ou non, et c'est tout à fait correct. Sur notre page pro, on va partager davantage d'informations sur ce qu'on fait, sur notre métier, sur ce qu'on est en train de proposer à notre clientèle. Mais depuis les derniers mois et années, ce qui est arrivé sur Facebook, c'est que les pages, ce qu'on appelle le « reach », donc le nombre de gens qui voient nos messages quand on les publie, a beaucoup diminué. Donc, au départ, quand vous aviez, par exemple, 100 fans sur votre page pro, qui avaient donc cliqué « j'aime », et que vous publiez un message sur votre page, il y avait peut-être 80-85% des gens qui voyaient vos messages. Maintenant, si vous avez une bonne page, vous êtes peut-être à 15-20% des gens qui voient votre message quand vous publiez quelque chose. Ça veut dire que si vous avez 100 fans, il y a 15-20 personnes qui voient vos messages quand vous les publiez. Et ça, c'est plutôt dramatique. En fait, ça donne presque le goût de quitter Facebook quand on entend ça. C'est un peu douloureux. Et ce qui fonctionne bien en ce moment pour plutôt créer une relation plus privilégiée, plus personnelle avec vos clients idéaux, c'est de passer par un groupe Facebook. Donc, sur Facebook, on peut gratuitement créer un groupe privé. Il y a différents niveaux. Je n'entrerai pas trop dans la technique. Je vais vous expliquer le processus, en fait, que j'utilise en cette étape pour mettre ça en place de manière efficace. Donc, pourquoi on veut créer un groupe privé? Premièrement, parce que en tant que entrepreneur, ça vous positionne comme leader quand vous êtes le créateur du groupe. Donc, c'est vous qui êtes un peu à la tête de la chose. C'est vous qui gardez le contrôle de ce qui se dit et qui vous positionnez donc comme un leader dans votre entreprise et face à vos prospects aussi. Donc, ça vous place dans une très belle position de manière très naturelle, sans que ce soit forcé. C'est tout simplement parce que vous avez fondé le groupe que vous êtes la personne qui a l'idée et qui modère l'information et qui participe et qui crée les conversations finalement. Ça vous permet aussi d'y accepter dans ce groupe-là les gens que vous voulez. Donc, ça vous donne le contrôle de décider qui va être là et qui n'y sera plus. Et s'il y a des gens qui ne cadrent pas avec qui vous êtes, qui ne résonnent pas avec qui vous êtes, qui ne sont pas vos clients idéaux, vous avez droit de les refuser dès la porte d'entrée dans le groupe, si vous le voulez. Et vous avez le droit de les mettre à la porte plus tard aussi. C'est rare qu'on mette des gens à la porte, là, on s'entend, mais ça arrive à l'occasion. Donc, ça permet de créer un environnement qui est un peu plus contrôlé. Cet environnement contrôlé-là, ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'avoir votre propre labo marketing. Quand vous voulez tester des choses, brainstormer des idées avec des clients potentiels, d'avoir un endroit qui est privé permet justement d'aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations chez vos prospects pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur problématique et comment ils aimeraient que vous les aidiez. Ça permet donc d'arriver avec des offres après qui sont hyper pointues et qui sont hyper sur le point, sur le bobo, qui va permettre d'avoir un haut taux de réponse. Et en ce moment, dans les groupes, quand vous publiez un message, presque tout le monde va voir ce que vous avez publié. Évidemment, tantôt, je vais vous parler des étapes pour mettre ça en place. Il y a des éléments clés qu'il faut faire pour que ça reste comme ça. Donc, si vous ne faites pas les bonnes actions dans la création de votre groupe, ce qui va arriver, c'est qu'au début, tout le monde va voir un message, puis très vite, les gens vont s'en désintéresser. Mais si vous le faites comme il faut, ça permet vraiment de créer un environnement où les gens vont participer beaucoup, vont être à l'écoute et le niveau d'engagement va être très, très bon. Ça vous donne aussi un endroit où offrir vos meilleurs contenus gratuits. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de publier sur votre profil personnel et sur votre page, mais ça vous permet de dire aux gens, ici, il y a un niveau de contenu, dans mon groupe, il y a un autre niveau de contenu qui est un peu plus poussé, puis quand vous payez pour mes services ou que vous achetez une formation, vous avez un autre niveau encore plus élevé. Donc, ça fait une espèce de gradation dans la relation avec vous et dans l'information que les gens peuvent avoir avec vous. Donc, ça, c'est les avantages de créer un groupe. Maintenant, je veux juste vous partager les étapes. Donc, j'ai identifié 7 étapes que j'utilise, moi, pour la création de chacun des groupes, que ce soit pour les miens ou pour les groupes d'un client. Donc, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est créer une offre gratuite qui est irrésistible.
c'est le même principe. Je n'ai pas réinventé la roue ici. C'est le même principe que pour votre infolettre sur votre site web. Si sur votre site web, vous avez une boîte, c'est écrit « Laissez-moi votre courriel pour avoir votre infolettre, pour recevoir mon infolettre », vous savez que les gens ne vont pas vous laisser leur adresse courriel parce qu'on en a tous beaucoup trop des infolettes. On est tanné d'en lire. On n'en veut pas une de plus qui va polluer notre boîte courriel. Donc, comment on va chercher l'adresse courriel des gens? On leur offre un cadeau gratuit qui a une valeur perçue qui est grande. Ça fait en sorte que les gens vont se dire « J'ai juste à donner mon adresse pour avoir ce cadeau-là. Donc, oui, je vais donner mon adresse. » Donc, ce qu'on va faire de différent, c'est que au lieu de livrer ce cadeau gratuit-là par courriel, on va le livrer via un groupe privé dans Facebook. Donc, ça amène les gens à s'inscrire à notre groupe avec une motivation dès le départ de participer. Donc, premièrement, on crée le cadeau gratuit avec une page, évidemment, où les gens vont pouvoir nous laisser leur adresse courriel pour recevoir ce cadeau-là. Mais ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer votre groupe Facebook. C'est gratuit, créer un groupe sur Facebook. Il y a trois niveaux. Donc, il y a des groupes publics, privés et secrets. Donc, le groupe public, tout le monde peut voir qui est membre et peut voir qui publie. Vous n'utiliserez pas ce principe-là pour créer une communauté qui vous appartient, qui fait un labo. Vous allez plutôt y aller avec le groupe privé, où là, les gens peuvent voir qui est membre, mais ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui est écrit dans le groupe si ils ne sont pas déjà membres eux-mêmes. Le troisième niveau, les groupes secrets, moi, je les garde seulement pour mes formations privées qui sont vendues. Donc, quand je vends une formation et qu'il y a un groupe avec, là, je vais y aller avec un groupe secret. Donc, pour les besoins de la cause, pour votre groupe, votre communauté à vous, vous allez la créer sous la formule groupe privé. Ce qui est hyper important, et c'est là que votre groupe va être un succès ou un échec, vous devez vous assurer d'avoir des règles en place très, très claires quand vous créez le groupe. Donc, au moment de la création, assurez-vous d'avoir pensé aux règles à suivre pour participer. Parce que si vous n'encadrez pas le groupe dès le départ, ça permet à tout le monde de faire ce qu'il veut. Et ce que ça fait, de manière quasi systématique, c'est que le groupe devient ce qu'on appelle en anglais un « pitch fest », c'est-à-dire un festival de la pub. Et là, tout le monde va juste venir publier des publicités dans le groupe. Et qu'est-ce que ça fait quand on est dans un endroit où il y a trop de pubs? On arrête d'y aller. Parce qu'on se dit « bon, ben, il n'y a jamais de contenu pertinent, ça ne sert à rien d'aller perdre mon temps là ». Donc, la règle 1 que moi, je recommande à tout le monde, c'est d'interdire la pub et d'encadrer la pub. Donc, moi, je l'interdis et je donne à l'occasion l'opportunité aux membres de nous présenter une offre, mais de manière encadrée. Ça change complètement la façon dont votre groupe va évoluer avec le temps. Il y a évidemment plusieurs autres règles qui peuvent être mises en place, mais la plus importante, c'est vraiment au niveau de la publicité, si vous voulez garder un niveau de participation qui est élevé dans votre communauté. Et c'est le but, évidemment. Donc, vous avez créé votre offre irrésistible avec votre page d'opt-in. Étape 2, vous avez créé votre groupe Facebook. Troisième étape, on va faire un lancement pour annoncer votre cadeau gratuit. Et la diffusion du cadeau comme tel, plutôt que de se faire par courriel, va se faire dans le groupe. Et idéalement sur plusieurs jours. Moi, par exemple, mon groupe à moi, je l'ai fait sur 15 jours. Donc, les gens reçoivent un message par jour pendant 15 jours dans le groupe, qui est un message en vidéo et qui leur donne un exercice à faire. Donc, à chaque jour, les gens vont aller participer dans le groupe et laisser des commentaires. C'est ça qui fait que, dès le départ, la communauté s'active et échange et crée des liens entre eux et avec vous, en plus. Donc, ça permet de vous positionner comme un leader, comme je le mentionnais tantôt, parce que vous partagez votre expertise et ça crée tout de suite de l'engagement dans votre groupe, dès le départ. Étape 4, vous allez participer activement à la conversation. Ça va de soi, mais je vois des gens qui créent des groupes des fois et qui ne sont jamais là. Et ça, ben, c'est la meilleure façon de faire des très beaux efforts marketing qui vont donner rien du tout. Donc, quand vous créez un groupe, vous créez des actions à leur faire, c'est important de participer à la conversation. Vous n'êtes pas obligé d'aller écrire des romans. Mais c'est important d'aller cliquer « j'aime » sur leurs commentaires, d'aller les motiver, de les remercier de participer, de les aider quand quelqu'un pose une question. Ça fait partie. Oui, c'est du gratuit pour le moment, mais c'est ce qui va donner aux gens la confiance de faire affaire avec vous après. Donc, c'est l'étape où on crée la relation avec les gens et on leur démontre qu'on a une expertise qui est solide. Donc, il ne faut pas avoir peur
de donner des conseils. Il ne faut pas avoir peur de donner de notre expertise dans ce groupe-là, parce que c'est vraiment ce qui, à long terme, va, puis pas à si long terme que ça, mais c'est ce qui va donner envie aux gens de vous payer à un moment donné. Parce que le concept est simple. Les gens vont se dire, si j'ai accès à tout ça gratuitement, le jour où je vais mettre ma carte de crédit sur la table, ça va être extraordinaire parce que je vais en avoir encore plus. Donc, c'est le raisonnement qu'on veut amener les gens à faire avec ce principe-là. Cinquième étape, une fois que les gens ont fini les actions comme ça de votre cadeau gratuit, vous allez faire un sondage dans le groupe, vous allez sonder le terrain à savoir comment vous pourriez les aider pour la suite. Ça va vous donner de l'information très précise sur leurs besoins du moment et non ce que vous, vous pensez qu'ils ont besoin. Donc, ça crée l'inverse. Donc, plutôt que de dire « je vais leur faire une offre sur quelque chose que moi j'ai envie », je vais plutôt aller voir qu'est-ce qu'ils ont besoin et je vais leur offrir, comme par hasard. Donc, vous allez tomber davantage sur leurs besoins très précis. Donc, une fois qu'on a sondé le terrain, on passe à l'étape 6 et là, on fait une offre très claire, très précise, qui répond à un besoin concret des gens qui sont déjà en relation avec vous dans cette communauté privée. Habituellement, vous allez générer des ventes très, très rapidement si vous avez fait ce processus-là. Si vous êtes resté vous-même, si vous avez publier un message clair, vous avez surmonté vos peurs de vous rendre visible, ça va ensuite vous permettre de leur offrir quelque chose qui est exactement ce dont ils ont besoin. Et parce que toutes ces étapes-là vont avoir été passées avant, que la relation va être solide, le lien de confiance va être là, ils vont savoir que vous avez une expertise, les gens vont beaucoup plus rapidement sortir leur carte de crédit pour investir dans ce que vous avez à leur proposer. Et une fois que ça c'est fait, la dernière étape, ça va être de convertir tout ça en « evergreen », qu'on appelle en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est « toujours vert » en français. Une traduction un peu qui ne veut pas dire tout à fait la même chose, mais bon. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va, on va s'assurer que tout ce processus-là pour aller chercher des nouveaux membres dans notre groupe va rouler en automatique, en continu. Donc, moi, si je prends l'exemple de ma communauté privée, j'ai fait un lancement à une date fixe et les gens ont fait ensemble les 15 actions. Mais depuis, les gens, je continue de faire la promotion de mon cadeau gratuit et les gens peuvent s'inscrire quand ils le veulent et faire les actions quand ils le veulent. Donc, ça fait en sorte que ça met en place ma machine pour aller chercher des nouveaux prospects dans mon groupe de manière continue. Et je peux ensuite continuer à les sonder le terrain, à leur faire des offres et à générer des revenus en continu de cette façon-là. Donc, si vous bouclez la boucle et vous faites tout ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, c'est certain que vous allez augmenter vos revenus via Facebook en 2017. Il reste par contre à passer à l'action, évidemment. Alors, voilà, on voulait vous montrer aujourd'hui que c'est possible de rire de soi. Je pense que Alessia a parlé. On peut peut-être ouvrir nos micros, tout le monde, si vous voulez, pour... Donc, je pense qu'on vous a bien montré qu'on était capable de rire de soi. Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu'on est un petit peu... Ok, un peu beaucoup. Avant qu'on commence, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais attaqué un schtroumpf pour avoir le chapeau. C'est possible. Donc, vous voyez qu'on a aucune crédibilité en vous parlant en ce moment avec nos chapeaux qui bougent et tout ça. Mais en même temps, on voulait juste vous montrer que avoir un message qui est pertinent, de connecter avec les gens, c'est possible quand vous restez vous-même. Ça ne veut pas dire de se mettre à faire des folies constamment dans tous les cadres. Tu sais, il y a des moments où il faut être sérieux, où ce n'est pas le temps de mettre un chapeau de Noël. Puis on le sait tous, quand on est en affaires, je pense qu'il y a des moments où c'est mieux de on sait s'adapter, on est capable. Ça fait partie du fait d'être entrepreneur. Mais je pense que plus vous vous donnez le droit d'être vous-même, plus ça va donner des résultats qui vont être vraiment concrets en termes d'argent. Hein? Je ne sais pas si vous voulez partager un petit peu aussi par rapport à ça. Amusez-vous. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord aussi avec toi, forcément. Donc, il faut être soi, il faut être vrai. Comme Karel, je pense que toutes les quatre, on est tellement alignés là-dessus, en fait, que c'est tellement une évidence pour nous. Et c'est ça aussi que les gens viennent à nous sans trop de difficultés. C'est parce que... Parce que voilà, comme l'a dit très bien Alessia tout à l'heure, on se donne le droit de se planter aussi, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'opportunité.
parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de marketing d'authenticité, mais bon, au final, ça reste du marketing aussi. Enfin, certains qui essayent de le faire, ça reste du marketing. Or, l'authenticité, comme dit Alessia, c'est, comme le disait dans ses ingrédients, c'est aussi l'imperfection, c'est aussi de se planter. Absolument. C'est aussi d'avoir des problèmes techniques, d'avoir une écharpe ben non, dans, tu vois, et qui te gratte le cou et que t'en peux plus. Alors, pourquoi j'ai choisi ce truc, tu vois. Moi, je dirais de transformer ça maintenant parce que vous ne voulez pas que vraiment goûter à cette potion-là là, que j'ai vue tantôt dans la recette. Ben, tout le monde va faire la recette. Ouais, c'est ça. Ça va être mis dans les grands restaurants de Paris maintenant, tu vois. Ouais. C'est la nouvelle cuisine. Ah, je suis contente d'habiter au Québec, là. Excellent. En fait, je voulais mentionner, Karel disait tantôt, des fois, les gens vont sur mon profil personnel puis ils ne savent même pas ce que je fais dans la vie. Et ça, je pense que c'est le moment où vous savez que vous êtes vraiment vous-même sur Facebook. C'est quand il y a des gens qui viennent vous voir et disent « Je sais pas vraiment ce que tu fais, mais j'aimerais ça travailler avec toi. » Ça, moi, ça me fascine quand ça arrive. Ça m'arrive à l'occasion. C'est, là, je sais à ce moment-là que j'ai touché la personne avant même qu'elle sache exactement. Elle veut juste la même chose que moi, je projette. Donc, elle veut ce que je projette comme style de vie. Bon, évidemment, moi, j'aide les gens à faire le design de leur business pour qu'ils ressemblent à la vie qu'ils veulent. Donc, je démontre ça, évidemment, sur mes réseaux sociaux. Je partage beaucoup de ma vie privée et professionnelle à cause de ça. Mais quand on a des gens, justement, qui viennent vers nous, qui disent « je veux ce que tu as », ben on sait que on est à la bonne place, qu'on est en train d'être nous-mêmes assez pour attirer les gens qui ont ce besoin. Et c'est là qu'on arrête d'avoir le besoin de convaincre les gens de faire affaire avec nous. En fait, on ne devrait pas avoir à convaincre les gens. Oui, on doit faire de la vente. Si vous ne faites jamais des offres, si vous faites tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas d'offre à la fin, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'argent. Donc, il faut aussi faire la paix avec ça et se dire « oui, j'ai le droit de vendre ». Quand même, c'est important. Mais vous savez que vous êtes davantage vous-même quand les gens viennent vers vous pour savoir ce que vous faites, alors qu'au départ, ils ont connecté avec qui vous êtes. Donc, ça, c'est vraiment la bonne façon de le faire. Ouais. Quelqu'un veut ajouter un dernier mot avant qu'on conclue cet magnifique écran à quatre? Moi, je voulais juste ajouter avant qu'on se quitte que ça m'a fait énormément plaisir, cette idée de se retrouver à quatre comme ça dans un délire. Allez, c'est vraiment super sympa, ça me touche. En plus, je vous admire vraiment très, très fort toutes les trois. Je vous aime énormément. Donc, mais nous aussi, on t'admire. Ben oui. Donc, c'est vraiment un moment savoureux pour moi qui va rester dans les annales, je le sens bien. On verra selon les commentaires si on le refait ou non. Si tout le monde nous dit que c'est complètement mauvais, ben évidemment, on va le refaire. Si on a assez de commentaires positifs, ben peut-être qu'on reprendra l'expérience. Ou alors on n'a plus de clients. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Si vous êtes encore là, ben bravo, félicitations à vous. vous êtes des survivors. Si vous êtes encore là, vous êtes des survivors. Mais pour vrai, je n'ai pas de chèque. Pour vrai, laissez-nous vos commentaires. Sous la vidéo, qu'importe l'endroit où vous écouterez la vidéo, parce qu'elle sera disponible à certains endroits sur le web. On teste quelque chose qui est complètement non structuré, différent. Vous allez le voir. Voilà, laissez les commentaires parce que blague à part, effectivement, on pourra reprendre l'expérience si que ça en vaut la peine. En bikini la prochaine fois! Ah. Non, on a tout le temps, là, t'as vu? Authenticité, ouais. Mais en fait, tu risques qu'on te dise tout oui, mais que tu sois la seule à arriver en bikini. Bon, allez, on y va. Bye. Bye tout le monde. Ciao. Joyeux Noël. Ah ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël.